Aujourd'hui, chest tricep, je commence avec du crossover à la poulie pour bien isoler mon chest, bien le pomper, bien le sentir, puis ça va éviter le risque de blessure. Quand je vais aller vers un compound mouvement, je vais faire 4 séries de 15 répétitions environ. Premier set, c'est vraiment juste un échauffement. Prochain exercice, bench press, 4 séries de 8 à 12 répétitions. Prochain exercice, incline armor press. T'avances le bassin. Ah!
Bon, prochain exercice avec du pec deck. On va faire une technique d'intensification que j'aime bien. Ça crée beaucoup de dommages musculaires. On va faire notre set. Après, on va laisser le pec étirer 30 secondes pour créer un maximum de dommages musculaires. Dans le fond, là, je fais du triceps, je faisais chest triceps aujourd'hui. Je fais du bar push down. Je vais faire une rep que je pousse plus par en avant, une rep que je pousse plus vers moi. Bon, prochain exercice, ça va être la row push-down. Ça va être 1.5 reps. Ça veut dire que je fais une demi-rep, une rep, une demi-rep, une rep. 4 séries de 15 répétitions. Ah.
je finis mon tricep avec cette machine-là. Dans le fond, c'est comme un skull crusher, mais à la machine. On va vraiment aller chercher la portion étirée du mouvement et bien contracter le muscle. Je vais faire 4 séries de 25 reps. Finito.